Rockmar Christian Caboret a reçu cet après-midi à tour de rôle l'administrateur de la Banque mondiale et la commissaire politique de l'Union africaine. Après quelques mois de fonction, tous deux exerçant au nom du pays dans ces institutions font le point avec le chef de l'État. Le rôle de l'administrateur, c'est de défendre les intérêts des actionnaires. Les actionnaires du groupe de la Banque mondiale, ce sont les États. Donc il y a 189 États, dont le Burkina Faso, qui sont propriétaires de la Banque mondiale. L'administrateur représente donc les actionnaires au conseil d'administration, participe à la supervision des orientations stratégiques du groupe de la Banque mondiale et se prononce également sur les perspectives de long terme et veille à la bonne gestion de l'institution financière. Et c'est la première fois que je reviens au Burkina en ma qualité de commissaire. Je suis venu échanger avec son Excellence, Monsieur le Président du Faso, sur des sujets de préoccupation communes et particulièrement le prochain sommet de l'Union africaine. En début juillet, nous aurons le sommet de l'Union africaine. Et il y a plusieurs questions qui sont inscrites à l'ordre du jour. Vous avez certainement entendu parler de la réforme de l'Union africaine, la réforme de la Commission, la réforme des institutions de l'Union africaine d'une manière générale. Et je suis venu échanger avec son Excellence, Monsieur le Président du Faso, sur ces questions. C'était l'occasion pour moi de renouveler mes remerciements à son Excellence pour avoir bien voulu proposer ma candidature, le soutien dont j'ai bénéficié et soutien ayant permis la désignation du Burkina Faso à ce prestigieux poste de commissaire en charge du département des affaires politiques de l'Union africaine. Après cette entrevue, animée d'un grand zèle pour bien accomplir leur devoir, Minata Samaté et Seydou Bouda repartent avec tous les encouragements et le soutien du président du Faso. C'est parti pour l'acte 6 du SEMICA depuis ce jeudi 25 mai 2017. L'organisation de cette édition fut un énorme défi selon l'initiateur Innocent Belem Tougri. Cependant, contre vents et marées, le SEMICA a lieu sous le thème partenariat public-privé. Le défi pour le comité d'organisation à chaque édition a déjà été d'abord de. Vous savez qu'on annonce les dates du SEMICA bien à l'avance. Et tenir l'événement à bonne heure et bonne date est le premier défi du SEMICA. Au regard de ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est le lieu pour nous déjà de remercier, de féliciter tous ceux qui ont pris de leur travail, de leurs ressources pour être à cet événement que nous avons conçu afin que différents acteurs puissent se rencontrer, puissent échanger, puissent travailler ensemble afin de contribuer encore plus au développement du Burkina Faso, mais aussi de l'Afrique. Parce que n'oubliez pas que le SEMICA est un événement panafricain qui est à la disposition de tous les pays d'Afrique. La question pour nous, à travers la 6e édition, avec la thématique partenariat public-privé, de regarder ce que c'est d'abord qu'un partenariat public-privé. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs types de partenariat public-privé et les réflexions qui vont se mener vont un peu plus nous éclairer sur l'applicabilité des partenariats public-privé dans les secteurs de l'énergie ou des mines ou des carrières. Et ça va nous éclairer aussi sur des formes ou des
des exemples de partenariats public-privé réussis à travers le monde qui seraient peut-être applicables au Burkina ou en Afrique. Le parrain est présenté comme étant un homme aguerri du domaine des mines et des carrières depuis Belle Lurette. Après une visite à des stands, Philippe Ouedraogo donne ses impressions du SEMICA 2017. Manifestement, l'exposition que nous venons de visiter montre que le SEMICA va avoir de nombreux participants de divers horizons intéressés, soit finalement à la mine elle-même, soit à la production d'énergie, soit éventuellement peut-être finalement des partenariats entre sociétés minières et puis finalement donc ces sociétés qui exposent ici. Donc je crois qu'on peut être très confiant sur le succès de ce SEMICA 2017. Du 25 au 27 mai se tient dans la salle de conférence de Ouara 2000 la 6e édition du SEMICA. À cette occasion, des panels, des conférences, des ateliers feront le menu de ces 3 jours. Faut noter que plusieurs entreprises de mines et de carrières du Burkina, comme d'ailleurs, sont présents à cette édition. Le groupe GA Delma Caterpillar est le partenaire officiel du SEMICA 2017. Créé en 1959, le Conseil économique et social est l'une des premières institutions de la République. Quel rôle pourrait-elle alors jouer dans la relance économique et dans l'accroissement de sa compétitivité? C'est pour mieux munir cette réflexion que les 90 conseillers du Conseil économique et social du Burkina se réunissent en session ordinaire ce 23 mai et ce jusqu'au 19 juin. Nous avons constaté qu'après tout ce qu'il y a eu comme événement au Burkina Faso, il y a eu une récession et nous ne pouvons pas rester dans cette récession. Nous voyons que partout la préoccupation du gouvernement aussi bien que des entreprises, c'est comment relancer l'économie et rendre cette économie compétitive et permettre à cette économie de trouver des marchés et de pouvoir faire des bénéfices pour pouvoir continuer le développement de notre pays. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé, en nous auto-saisissant du thème et en regardant un peu dans le PNDS, de voir comment nous pouvons, en tant que Conseil économique et social, contribuer d'une façon pertinente à la situation actuelle de notre pays et apporter une contribution qui va permettre au pays de sortir de cette situation qui est très difficile, de ce tournant qui est vraiment à négocier avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup de force. Un invité de marque était présent à cette ouverture, le président du Conseil économique et social du Bénin. Pour lui, sa présence s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les institutions des deux pays. Je félicite le choix fait par le Conseil économique et social de Burkina Faso. Et au-delà dire, le Conseil économique et social et institutions similaires ont un grand rôle à jouer dans l'économie, dans le social, le culturel et technique de nos États. C'est la seule interface du dialogue social. C'est le seul creuset pour nous retrouver toutes les couches socio-professionnelles de la société civile. C'est-à-dire que c'est une institution assez importante. Très, très. Conseillé par excellence du gouvernement, le Conseil économique et social attend, au sortir de cette session, faire des propositions concrètes à même de contribuer à l'essor socio-économique et politique du pays, et cela au grand profit des populations. Le thème retenu est « Contraintes factorielles à la relance et à la compétitivité de l'économie burkinabé, enjeux, défis et perspectives pour une mise en œuvre réussie du PNDS ».
La première édition du Salon international Business of Technology vient d'être lancée ce matin. Un cadre innovateur permettant aux hommes d'affaires du Burkina, comme ceux d'ailleurs, de nouer des relations par le biais de la technologie. Selon les initiateurs de cet événement, l'agroalimentaire est un secteur qui pourrait se développer si la technologie de pointe s'y met. D'où le thème de cette première édition, les technologies comme levier de développement du secteur de l'agroalimentaire. Le salon du 23, ça commence dès maintenant, du 23 jusqu'au 27 mai samedi. Et il y aura des conférences thématiques, surtout axées sur l'agroalimentaire, des expositions ventes, des rendez-vous d'affaires B2B, ainsi que des déjeuners d'affaires qui permettront aux participants, aux exposants de pouvoir faire des rencontres avec l'international surtout. Outre le lancement du salon, ce fut également celui du réseau U-Business au compte de la société Unicom SA, dirigé par Salam Wedrago, professionnel du domaine. Selon lui, c'est une plateforme qui permettra de joindre l'offre à la demande sur le marché international. En outre, il évoque le bien fondé de cette initiative. Ce n'est pas seulement Internet, Internet n'est qu'un élément. Et comme vous avez vu, par rapport à Internet, nous sommes partenaire avec le leader mondial en VSAT qui couvre le monde entier, donc tous les espaces. On n'est pas lié à un réseau. Alors, mais au-delà de Internet, il y a toute une plateforme, plusieurs plateformes. Il y a la visioconférence, il y a les solutions. C'est vraiment un réseau qui a 8 composantes importantes pour pouvoir mettre derrière les solutions. Il y a aussi des plateformes humaines comme les centres d'appel qui gèrent les relations, qui gèrent les rendez-vous, les rapports et tout ce qui se passe. Il y a un pool de traducteurs parce que la langue ne doit pas être une barrière. Un peuple du Nord peut parler à un Chinois de Hong Kong et faire des affaires, faire la visioconférence ensemble parce que derrière, il y a la traduction simultanée qui opère. Donc, il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de limite de distance, il n'y a pas de limite de langue. Et par rapport à ça, c'est simplement permettre à toute personne qui veut vendre, qui veut acheter, qui veut collaborer, qui veut même apprendre, puisqu'il y a la formation à distance, restant chez lui, de pouvoir le faire avec n'importe qui se trouve partout dans le monde. Donc nous sommes en train de tendre vers des marchés virtuels, vers des foires virtuelles et des boutiques virtuelles. Pour le ministère du Commerce, c'est un plus qui vient booster le e-commerce existant déjà à leur niveau. Je pense que ce salon, vraiment, nous le félicitons beaucoup parce que il répond à une de nos préoccupations et au niveau de notre département. Et nous sommes conscients qu'aujourd'hui, en matière de transactions, en matière de commerce, il faut que les TIC, nous puissions les exploiter autant que possible. Si bien que même au niveau de notre département, nous avons même créé une direction que nous appelons la direction e-commerce pour essayer justement de voir dans quelle mesure nous allons développer ce type de commerce pour que les commerçants puissent en un temps record et pouvoir vraiment se satisfaire en matière de transactions. Les exposants présentent au grand public des produits locaux naturels transformés sous différents aspects. Tous nos produits sont faits à base du riz local burkinabé. On a des biscuits de riz, c'est fait à base de notre même riz là, long grain. On a des jus de riz. On a un centre de formation professionnelle qui se trouve à Zignaré, là où on fait la pâtisserie, l'électricité. Et comme tout ça n'est pas connu des Burkinabés, on a décidé d'ouvrir en front commun une boutique pour amener les Burkinabés à consommer nos produits locaux. Du 23 au 27 mai se tiendra donc ce salon, aussi virtuel que réel, au pavillon du Soleil Levant, sur le site du CIAO. Plusieurs activités viendront meubler cette semaine. En outre, des produits alimentaires seront exposés aux visiteurs. La technologie au service de l'agroalimentaire. Ce lundi matin s'est ouvert un atelier portant sur l'élaboration du projet de renforcement de la planification familiale de la ville de Ouagadougou. C'est le conseil municipal de la commune en collaboration avec The Challenge Initiative qui assure la mise en œuvre de ce projet. À cet effet, la directrice de cette plateforme nous explique le contexte dans lequel la commune de Ouagadougou a été choisie. La ville de Ouagadougou s'est choisie. Comme je l'ai dit, l'initiative, The Challenge Initiative,
est à un processus unique. C'est-à-dire que nous informons les autorités des villes de l'existence de cette initiative et c'est à ces autorités-là de manifester leur intérêt. Donc nous allons où on nous demande de venir. Voilà, ce n'est pas comme les projets précédents où il fallait choisir d'avance, d'emblée où on allait intervenir. Donc dans ce sens, la ville de Ouagadougou a manifesté son intérêt. Donc consciente des enjeux des populations de la ville en matière de planification familiale, ils ont demandé donc à être pris en compte donc, dans ce processus de sélection des villes. C'est ainsi donc que sur la base de 4 critères, donc, qui sont en premier lieu l'engagement politique, donc, qui a été manifesté par M. le maire, en plus des autorités étatiques. L'autre critère qui a été la mobilisation des ressources. Donc, le maire de la ville de Ouagadougou, en acceptant d'allouer un budget sur ses fonds propres à la planification familiale. Aussi, la solidité du système. Nous avons regardé si les villes étaient aptes à gérer des fonds, donc, de l'initiative et aussi l'impact de la population. Quelle est la taille de la population de Ouagadougou? Donc c'est sur ces 4 critères que les villes ont été sélectionnées et que Ouagadougou a brillamment passé cette étape-là. Le projet va durer initialement 3 ans jusqu'en 2019, mais avec l'accord déjà préétabli de la Fondation Bill et Melinda Gates qu'on va aller au-delà. Maintenant, ça dépendra du niveau de performance de chaque ville. Le budget, il est difficile de parler du budget. Notez juste que c'est plusieurs millions de dollars, mais il faut aussi noter que pour cette fois-ci, il n'y a pas que le bailleur de fonds qui va mettre de l'argent sur la table, mais aussi les maires ont alloué des fonds propres, d'où notre présence. Parce que sans les fonds propres déjà alloués par les communes, nous ne serions pas là. Donc on pourra vous dire après la proposition donc, écrite, combien en termes de francs CFA le projet va coûter pour les 3 années à venir. Pour le maire de la ville, ces 5 jours permettront à ceux qui seront chargés de la mise en œuvre de ce projet de s'outiller afin d'aller à la quête de financement pour un meilleur fonctionnement de la plateforme. Nous avons manifesté un intérêt pour ce projet TCI et notre projet a été retenu. Donc l'atelier d'aujourd'hui, c'est de cette semaine, c'est aider la ville de Ouaga à asseoir une stratégie pour la planification familiale. Nous doter d'outils qui vont nous permettre maintenant d'aller chercher des financements et d'élaborer un plan de suivi de cette planification familiale. Comme vous le savez, la santé de la mère et de l'enfant est au centre de nos intérêts. Au niveau de la commune de Ouagadougou, c'est inscrit en bonne place et au niveau de notre programme de mandat. Donc, à chaque fois que nous avons des opportunités pour pouvoir outiller nos services à mieux gérer ce volet de santé de la mère et de l'enfant, nous pensons que nous devons nous y employer. Ce n'est pas la population de Ouagadougou seulement, il faut dire qu'en Afrique, la démographie est très galopante et il faut savoir la maîtriser. C'est bien, ça peut être une opportunité comme ça peut être également une grosse menace si ce n'est pas maîtrisé. Et la planification familiale, c'est un des outils dont doivent se doter les grandes villes, parce que c'est dans les villes que se passe le développement, c'est dans les villes que se passent les grands projets. Donc nous devons nous outiller de ces outils-là pour pouvoir maîtriser cette démographie galopante. Faut noter que le ministère de la Santé accompagne cette initiative. Du 22 au 26 mai, les responsables de la ville de Ouagadougou vont s'imprégner des paramètres pour un meilleur suivi de la planification familiale, car il faut le dire, la population de la capitale du Burkina Faso, comme plusieurs autres capitales africaines, va grandissant de jour en jour. The Challenge Initiative TCI, basée à Dakar au Sénégal, accompagne de près ce projet. Un groupe de revendicateurs nommé Collectif des traders de Social Be Investing ont rencontré les hommes des médias ce jour pour dénoncer un escroc en col blanc connu sous le nom de Mikaël Nwenkuni Breba qui, en les accroît, aurait arnaqué plus de 4000 personnes. Moi-même et le porte-parole du collectif, nous avons déposé une plainte à la brigade de recherche à Passmanga. Nous avons fait des dépositions
Et l'assurance avait été donnée que dans les 72 heures, voire la semaine, M. Breba allait être entendu. Mais comme nous, nous avançons dans la légalité et dans la légitimité, nous osons toujours faire confiance à ces institutions-là. Mais il faut qu'elles sachent que nous avons aussi nos limites. Et comme nous l'avons si bien signifié dans la déclaration liminaire, à travers la presse, un certain monsieur qui se disait tout puissant a été embastillé immédiatement. Et nous, nous souhaitons que, effectivement, que les autorités de ce pays-là, à travers les plaintes posées de manière officielle, qu'elles puissent se saisir de ces plaintes-là pour agir. Fort de 550 membres aujourd'hui, le collectif exige le remboursement du capital des bases ainsi que les intérêts produits qui s'élèvent à 3,618 millions de francs CFA. Il y a certainement des gens dits puissants qui le soutiennent parce que M. Breba lui-même a eu à dire que personne au Burkina Faso ne peut l'empêcher d'exercer son activité. Cela est vrai dans les faits. Nous, nous sommes dans une situation aujourd'hui où nous réclamons notre dû. Il ne nous paye pas et il a mis encore une nouvelle plateforme en place qu'il a créée, dont il a dit par ses propres termes qu'il a mis en place avec près de 2 millions d'euros, soit à peu près 1,8 milliard. Mais c'est dangereux et même scandaleux que des choses comme ça se produisent. Il n'a fait que confirmer ce qu'il a dit. Personne ne peut l'empêcher effectivement d'agir. Parce que les remarques ont été faites depuis la création de sa structure. Mais nous nous demandons comment il peut effectivement continuer si vraiment il n'a pas un autre cerveau que lui. Le collectif invite de ce pas les autorités à prendre leurs responsabilités en appliquant tout simplement le droit et interpelle par la même occasion les Burkinabés à la prudence. Leurs ardeurs au boss pour parler comme eux ont été récompensés ce samedi 19 mai 2017. Eux, ce sont les meilleurs élèves du collège protestant de Ouagadougou, ayant au vu de leurs résultats annuels occupé la troisième, la deuxième ou la première place. Et c'était en présence des responsables de l'établissement, des parents, des élèves et même des anciens pensionnaires des lieux. Ces meilleurs de la sixième à la terminale ont reçu des sacs, des fournitures scolaires, des bibles, des attestations et bien d'autres articles selon leur niveau d'études qui leur seront utiles pour la suite de leur cursus scolaire. Le directeur du collège explique les raisons de l'initiation de cette journée du mérite. Nous l'avons ressuscité pour stimuler les élèves. Parce que lorsque les élèves voient les autres recevoir les prix, ils font des efforts pour qu'à leur tour, ils puissent aussi un jour recevoir un prix. Les critères, c'est le travail en classe d'abord et la discipline. C'était cela. Les moyennes vont de 18 à 13 au niveau du second cycle. Au niveau du premier cycle, ça va de 18 à 15 de moyenne. Les méritants, pour ce qui concerne le premier cycle, ont des prix qui sont composés de fournitures scolaires qui leur seront utiles l'année prochaine, d'accord, et d'attestations de mérite pour certains, les premiers, les tout premiers. Et pour ceux qui sont en troisième aussi, nous avons pensé à des prix qui vont leur être utiles au second cycle. Pour ce qui concerne les terminales, les prix sont composés d'articles qui vont leur être utiles dans leur cursus à l'université. Nous pensons aux tablettes, nous pensons aux classeurs que nous avons donnés, nous pensons aux rames de papier. Il y a aussi pour les prix spéciaux des bicyclettes, d'accord, pour les élèves du premier cycle. Toutes classes confondues, il y a eu 105 élèves qui ont été primés. Parmi les meilleurs, il y a des meilleurs. Les meilleurs des meilleurs ont été magnifiés à travers des prix spéciaux.
ainsi 18,32 de moyenne pour la plus méritante de la 6e. Sarah Mariam Sawadogo s'affiche meilleure des classes de 5e avec 17,34 de moyenne. C'est le seul garçon du lot, Kevin Yen, qui arrive en tête des 4e avec 16,59. Adidjata Diara se positionne meilleure de la classe intermédiaire entre le premier et le second cycle avec une moyenne de 16,83. Pour le second cycle, c'est Fernandine Kissou qui prend la tête des secondes A avec 13,05 et Augustine Milogo, celle des secondes C avec 16,15. Et c'est Leila Dao qui couronne les rangs des classes des premières avec une moyenne de 16,3. Bon, mon secret, premièrement d'abord, c'est la prière. C'est ce que le CPO nous enseigne dès le début. Donc, avant de composer tous mes devoirs, je commence juste par une prière. Même si à chaque fois on interroge un élève pour prier, moi aussi je fais ma prière en même temps que l'élève et je commence à composer. Pendant mes heures, bon, comme c'est en terminale, je laisse tout ce qui est distrayant à la télé et je me concentre dans un coin et je m'entraîne bien, je bosse bien et je viens en classe appliquée. Et l'enseignement au CPO, c'est très bien, il nous montre comment nous devons faire, même si nous échouons dans quelques matières, il nous démontre comment il faut faire. Et puis, ils sont tout le temps avec les élèves, ils ne négligent pas vraiment l'enseignement ici. Je n'ai pas de secret, il faut travailler seulement. Pour pouvoir être la meilleure, il faut travailler dur. Je trouve que c'est un bon enseignement parce que les professeurs nous donnent des conseils. Les professeurs nous donnent des conseils et je pense que c'est très bien. Le CPO a été créé en 1953 avec comme premier administrateur Pierre Dupré. De cette école sont sortis plusieurs hommes de Dieu, des cadres de ce pays et même d'Afrique. Cette première journée du mérite vient donc booster les meilleurs vers la perfection, l'excellence et les moins meilleurs vers plus de sérieux dans le travail. Le CPO compte aujourd'hui plus de 2000 élèves. Abandonnant leur sommeil pour chercher Dieu et voir ses multiples bénédictions déversées dans leur vie, ces chrétiens n'ont pas manqué au rendez-vous de la première veillée internationale de l'année 2017 organisée par le pasteur Zoudi Jérémy au site du 75e anniversaire dont le thème tiré de Nombre chapitre 23 stipule « Tu seras béni ». Dieu bénit son peuple par divers moyens, soit par la louange, soit par l'adoration, soit par l'écoute de sa parole ou encore par la prière. Je suis un chef de la chambre, ton chapitre de la table, verset à Yopéwa. Je suis un carambé, 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 je suis un parce que y a parc de qui c'est Israël Kamba donc on a mal à pour quand on a ouvert qui tu vois on a n'importe quel parc à Bébé Nifi là on a ce sur ma na à Siri Oto donc bon quand je me allez bien ton de Zamana y a mien tu roules dans ton y a Abraham comme tien point à ce Christian doré la wakat face sultan qui c'est ton do ni où est ce qui c'est ton do là on a mis là mais tu ton y a bam Kamba tu ton d'assurer bien mieux ton man chinois tu vas me tic que on a comme dans Saint ya ton chapitre puis la table verset puis la pile là yopoi wa pam na ninga yam park et bien ben fi la joie la PMB la kinga ko baga dir tonye raba wena nda matabe tege wena mbala ti wena mtwendi nga yam barka et bien ben fi. Le sang de Christ est précieux et puissant pour briser les chaînes de l'ennemi dans la vie du peuple. Conscient de cela, le pasteur Zoudi Jérémy a invité son auditoire à toujours invoquer le nom de Jésus afin que son sang précieux brise les œuvres du diable et toutes les malédictions dans leur vie. Jésus-Christ m'a dit, « Mamia koum da pika sugu. Je suis sur la croix maintenant. Mamna koka poum li fasse sous terre à pierre. Je vais maintenant bloquer tout ce qui est flèche satanique. Rinda
Balam Samakana Kabe. Quand Balam tente de mourir. Kabwenga Lobada Jésus-Christ. La malédiction vient sur la croix de Jésus-Christ. Et ça ne peut pas les atteindre. Mes frères et sœurs. La croix n'est pas venue à faire. La croix est venue. La pika la croix est venue. Tout dit la gauche. Kabwen Shungat Kwabaga. Les ennemis qui sont à gauche. Même si c'est envoyé à gauche. Sa puissance va bloquer. S'il jette à droite, la droite va bloquer. Si on jette en bas, il va comprendre. Si on envoie au milieu, ça ne va pas vous atteindre. Et le Père va vous atteindre. Guide de prière, le pasteur Zouli Jérémie a conduit durant tout au long de la moitié de l'année le peuple de Dieu dans des moments d'intense en prière et de supplication afin que Christ soit pris en tous les jours et visibles et que toutes les bénédictions d'Abraham soient effectives dans la vie des fidèles. La parole de Dieu ne recommande-t-elle pas de toujours veiller et prier? Le comité d'organisation invite de ce pas le peuple de Dieu le 20 décembre 2017 pour la seconde veillée.